Chers élèves d'aujourd'hui et pour beaucoup, chers étudiants de demain, l'année scolaire vient de s'achever. Beaucoup d'entre vous ont passé des examens. Le diplôme national du brevet à l'issue de la troisième, le CAP, le baccalauréat, le BTS ou encore un DUT. Alors je tiens à vous adresser à chacun mes très chaleureuses félicitations. À vous qui avez obtenu cette année votre examen, votre diplôme. Pour le diplôme national du brevet, pour le baccalauréat, c'est deux diplômes qui marquent des étapes importantes dans la vie d'un élève. C'est une marche essentielle que vous avez franchie. Le brevet atteste de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Mais le brevet représente aussi, pour la très grande majorité d'entre vous, le passage du collège au lycée. Et vous êtes plus de 86% cette année, toutes séries confondues, à l'avoir obtenu. Alors félicitations, et puis de vous dire quand même que ça représente une nette progression des élèves de l'académie, et je tiens à en féliciter chacun d'entre vous. À en féliciter aussi vos parents, vos enseignants, tous ceux qui peuvent être fiers de vous et du travail accompli ensemble. Pour le baccalauréat, qu'il soit professionnel, technologique ou général, ce diplôme a la particularité de double, de sanctionner la fin des études secondaires et d'ouvrir l'accès à l'enseignement supérieur. Il est d'ailleurs le premier grade universitaire. Toutes séries confondues, professionnelles, technologiques, générales, les résultats ont enregistré cette année une hausse de 1,23 points à la session 2016, pour atteindre un taux de réussite de 89,2%. C'est l'un des taux les plus élevés de ces 5 dernières années pour l'Académie de Dijon. Alors à lui seul, le baccalauréat professionnel tire les choses vers le haut, avec plus de 3,5% de réussite. Que dire également des nombreuses mentions obtenues cette année au baccalauréat? Près de 4500 d'entre vous ont ainsi eu la joie de recueillir une mention au baccalauréat général à cette session. Cela représente 600 élèves de plus que l'année passée. Une vraie progression dans la réussite. Ces chiffres sont donc plus qu'encourageants et, de votre part, évidemment, témoignent d'une réelle dynamique éducative dans l'académie, de votre part, mais aussi des équipes enseignantes, de vos professeurs et des corps d'inspection, et je souhaite ici les associer à votre réussite et les remercier. Que ces chiffres aussi renforcent votre ambition, que vous alliez plus loin dans vos études. Ces bons résultats prouvent que chacun d'entre vous est capable, qu'il a des capacités qui ne demandent qu'à se développer avec votre travail. Alors croyez-y vraiment. L'obtention du baccalauréat doit être pour vous un nouveau point de départ, une opportunité pour rebondir, pour poursuivre dans votre formation vers l'enseignement supérieur. Que vous habitiez dans une grande ville ou dans un village de notre belle région Bourgogne-Franche-Comté, que vous soyez issu de l'un ou l'autre de nos 4 départements, l'Yonne, la Nièvre, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, vous devez croire en vous, vous devez croire en vos capacités et obtenir d'autres diplômes après le baccalauréat pour construire votre vie professionnelle future. Soyez certain que l'ensemble du personnel de l'académie, de l'université, des institutions d'enseignement supérieur et de recherche seront là pour vous accompagner, pour mettre tout en œuvre et favoriser votre réussite étudiante puis professionnelle, pour favoriser aussi votre épanouissement personnel. Et pour conclure, je vous adresse une nouvelle fois mes plus sincères et chaleureuses félicitations. Et l'ensemble du personnel de l'Académie de Dijon, l'ensemble des personnels de l'enseignement supérieur de cette Académie est fier de votre implication, de votre engagement. Votre réussite, vous le savez,
c'est la nôtre. C'est la construction de la réussite de l'Académie de Dijon, de la région Bourgogne-Franche-Comté, et c'est notre avenir à tous. Bonnes et heureuses vacances à toutes et à tous.